On est sûr que cette église est posée là depuis la nuit des temps, on pourrait dire. L'église Saint-Pierre de Baignan est un lieu de mémoire spirituelle, mais aussi historique. Chaque statue, chaque vitrail, chaque sablière, chaque joyau d'orfèvrerie a sa propre histoire et nous éclaire un peu plus sur le passé si riche de ce village. La présence de ces évêques a marqué le territoire et la commune de Baignan et celle de Saint-Malo. Et Baignan va devenir carrément l'un des quatre doyennés du diocèse qui incorporait Ploërmel, Plélan, Guer et Moron. La verrière la plus belle, à l'évidence, c'est celle de l'arbre de Jessé. Qu'on est en face de chefs-d'œuvre pas assez connus et que ce sont parmi les plus belles verrières de Bretagne. Alors Monseigneur Bessel, en fait, on dit que c'est un évêque qui a beaucoup construit, il a beaucoup visité. Il a laissé vraiment des marques fortes à travers tout le diocèse. En quelques années, 10, 20 ans peut-être, eh bien, nous aurons un Gabriel Day peut-être béatifié, qui sait. Baignan a su traverser le temps. Au-delà de leur caractère religieux, ces monuments, ces croix de Baignan, sont à la fois des traces de son passé et des trésors de son patrimoine. Et cet héritage de nos ancêtres est riche pour nous. Moi, je n'appelle pas le patrimoine, je l'appelle fratrimoine, parce que ce sont nos frères des autres générations qui ont fait ça.